parti pour la Super Pole et c'est Olivier Panis qui est le premier à s'élancer. Allez, c'est parti pour Allez. Olivier Panis. On va suivre la voiture aux couleurs de Petit Forestier pour Olivier Panis. La Curva Grande, la parabolique attaquée par Olivier Panis avec son style extraordinairement agressif. Point de corde, superbe passage d'Olivier. Allez, il attaque Olivier Panis. Grande démonstration de la Petit Forestier, du Grand Panis. Oui, c'est du Grand Panis, Patrice, c'est sûr. La descente maintenant avec ce gros freinage pour l'épingle à gauche qui vous propulse ensuite vers la ligne de chronométrage. Il est bien là, il est très très bien, Olivier Panis. Que c'est beau, magnifique Olivier Panis. Génial le point de corde. Superbe passage et un chrono de... Eh bien écoute, on l'attend puisqu'on n'a pas eu de chrono intermédiaire. Le premier chrono, 45.1. Énorme. C'est très très bien. Énorme. Très bien chrono. Très très bon chrono, pardon. Je me demande, c'est pas loin du record du tour. Hein. C'est une Zoé qui va s'élancer. Ouais, et c'est du bourg. Bah d'accord, donc tu l'as vu, c'était Jean-Baptiste. Moi j'ai pas eu le temps de regarder. Je crois. Non, c'est Nicolas Prost. Ah, c'est Nicolas Prost. T'avais une chance sur deux, hein, de toute façon. Ouais. Et c'est Nicolas Prost qui s'élance. Alors, Nicolas Prost, Prost et l'épaule, c'est toute une histoire. Ah mais là aussi, alors, là, on a le chrono intermédiaire qui vient de se mettre en place. Alors, on ne pourra pas dire s'il y en avance ou en retard par rapport à Olivier Panis tout à l'heure. On a simplement l'arrivée d'Olivier. Oh, oh popo là. Un peu rude. Hein. Oh là, le passage, là, c'était impressionnant. Un peu rude, le passage, mais il donne tout ce qu'il a, Nicolas Prost. Superbe démonstration de cette Zoé. Ah oui, elle retrouve les couleurs, les Zoé, là. Hein. La Renault Zoé. Ah oui, oui, là. Allez, le gros freinage là-bas, l'épingle au fond du circuit. Quelle est belle cette Zoé. Et quel pilotage magique de Nicolas Prost. Ah, il lui reste quelques secondes. Ah, ça va être dur, 45, ah, c'est possible. Et top pour Nicolas Prost qui réalise, 46-0, il est à 9 dixièmes derrière le chrono. On l'avait vu, hein, qu'Olivier Panis avait fait un bon tour. Ah oui, il avait fait un tour... presque parfait. Ah oui, bon et tour. Si tu veux mon avis, pardon, oh non, mais ça il sera difficile à battre là, Olivier Panis, parce que vraiment, il n'a pas fait une seule faute. Voilà. Et celui qui s'élance, alors là, attention, gardez les enfants par la main, tenez-les bien, c'est la voiture aux couleurs d'Andros et c'est celle de Franck Lagorce. Franck Lagorce, Speedy Franck, l'homme qui pilote plus vite que son ombre. C'est parti pour exceptionnel, Franck Lagorce. L'homme proté de l'électrique Andros, oh et c'est parti dans la parabolique. Il est à l'attaque pour l'instant, alors est-ce que ça va payer? Je ne sais pas, mais c'est superbe. Hein. Ah oui, c'est beau, hein, c'est beau, c'est tout ce qu'il fait, Francky, c'est toujours magnifique. Toujours magnifique. Ah, il est à l'attaque là, Franck, qui fait sa première course du trophée Andros 2020 cette année. Elle maîtrise très 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 bien la voiture de Franck. L'Andros Car aux couleurs d'Andros. Voilà, magnifique, magnifique. Le passage dans le bas du circuit. Ah, je ne sais pas si c'est aussi vite, plus vite, moins mais vite que Olivier Panis. On n'a pas eu d'intermédiaire, mais... ça va peut-être être un petit peu plus vite de visu. Oui, non. Oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Non. Deuxième chrono de Franck Lagorce pour 9 millièmes. Et voilà. Salut Jean-Pierre. Olivier est en piste. On t'embrasse. Allez. Tout à l'heure, troisième, hein, début de manche un petit peu compliqué, il s'est bien repris. Et c'est parti pour Olivier Pernaud. 45-105 à battre. Ouh, ça va vite là aussi pour Olivier Pernaud. Aïe, aïe, aïe. Il faut s'y reprendre à deux fois là dans la parabolique, ça doit faire des petits dixièmes qui s'envolent, ça. Ouais, il a pris deux points de corde dans la parabolique. Elle est terrible, cette parabolique. C'est maintenant que ça se joue. Allez, bien, là, dans le pif-paf derrière nous. La descente, maintenant. Bon passage, bonne descente. Il faut tout donner jusqu'à ce freinage de l'épingle du fond du circuit avant la relance vers la ligne de chrono. Beau passage, très beau passage d'Olivier Pernaud. Le doute que l'on a, c'est sur la parabolique. Ouais, cette reprise de trajectoire là, dans la parabolique peut-être lui aura coûté... Un petit peu. Et le chrono d'Olivier Pernaud, 46.4, ça lui a coûté très cher puisqu'il est à 1 seconde 3 réalisé tout à l'heure par Olivier Panis. On l'a vu quand il a pris cette correction de trajectoire là au milieu de la parabolique. La deuxième Renault Zoé de cette Super Pole, après celle de Nicolas Prost, celle de Jean-Baptiste Dubourg, numéro 1, le tenant du titre. Et vous connaissez leur devise, souffler n'est pas Zoé. Oh, on va la garder, celle-là. Merci. Attention à l'attaque dans la parabolique.
Ouais, superbe passage de Jean-Baptiste Dubourg. Ça a l'air simple. Oui, oui, ça a l'air, comme tu dis. Ça a l'air, ça l'est simple. Allez, maintenant ça se referme là, oh voilà, vache. Dans le pif-paf. Oh, le passage parfait dans le retour. Oh, superbe Jean-Baptiste Dubourg. Ah oui, là les trajectoires sont millimétrées pour le pilote bordelais. Très beau. La descente, le freinage de l'épingle. Oh, c'est beau, c'est beau, ça c'est va beau. Vite, ça va vite, ça va vite. La Zoé est très belle, alors. Elle va vite. Ah, il perd peut-être un tout petit peu là, je ne sais pas. Bah écoute, c'est compliqué de visuellement de voir. Je suis pas sûr. Enfin, on attend parce que c'est tellement compliqué de voir. Le chrono de Jean-Baptiste Dubourg, 45.3, c'est le troisième chrono à 2 dixièmes. Troisième chrono. Pour l'instant, on a toujours Olivier Panis, Franck Lagorce, Jean-Baptiste Dubourg, Nicolas Prost, Olivier Pernoud. Alors. Il va rentrer dans quelques secondes, il est prêt, le voilà. Il est sur les ordres du starter qui lui fait signe d'ailleurs d'avancer sur la piste. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vais chercher papa ou je fous en l'air mon Noël? Là, il se dit, je vais peut-être marquer des points très importants pour le trophée 2020. C'est surtout ça. Oui, c'est surtout ça. Il est en tête pour l'instant et c'est parti pour Aurélien Panis. Alors, Aurélien Panis qui se jette à l'abordage de la Curva Grande, la parabolique la plus célèbre du trophée Andros. Mais comment ils font pour être aussi précis? Je ne sais pas, mais c'est incroyable. Je constate comme toi. Magnifique passage d'Aurélien Panis. En attaque totale. Il attaque énormément, il embête énormément. Il attaque. Alors tout à l'heure, on s'est dit qu'il est un petit peu moins rapide que les autres dans cette portion-là, mais après, dans la descente, ça va tellement vite qu'il nous refait le retard à chaque fois. Oh là, ça va vite là-bas, le freinage, il est... Oh, c'est impressionnant, le passage d'Aurélien Panis. Alors, est-ce que c'est Aurélien? Est-ce que c'est Olivier? La réponse dans quelques petites secondes. Oh, le point de corde. Oh, super. Le point de corde énorme. Énorme point de corde. Et alors 45.5 pour Aurélien Panis, reporté à la quatrième place. Quatrième place pour Aurélien Panis, derrière Jean-Baptiste Dubourg.